Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la biseau de tes mains, s'il vous plaît. Je vais nous inviter de se mettre debout. Mettons-nous debout, tenons-nous debout. La Bible déclare que les serviteurs on les reçoit avec double nerf. Lorsque nous invitons les serviteurs de Dieu, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Bravo. Maboko, maboko, maboko. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles rapidement. Comme ça, on va s'asseoir. Non, restons debout. Prenons nos Bibles. Ah, encore un peu d'effort. Hein? On va pas faire ça tout le temps. On va prendre le livre de Jérémie. On va prendre le livre de Jérémie, chapitre 29. On va commencer dans les versets 11 jusqu'à 14. Jérémie 29 va lire quatre portions des Écritures. De 11 à 14. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Nous y sommes, nous tous. Suivons la lecture. Seigneur, acclamons et nous pouvons prendre notre place. Non, j'ai dit acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a la joie? Moi, je suis content. Je sais que notre frère Jem, il a chanté pour la gloire de notre Jésus. Mais j'étais vraiment surpris, j'étais vraiment content. Et je peux te dire une chose, tu peux faire beaucoup plus même. Il ne faut pas limiter la capacité que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ne laisse pas freiner ça. Tu peux faire de grandes choses. Laisse-toi aller. Amen. Parce que des fois, je regrette beaucoup. Bon, je regrette parce que quand on a connu Dieu, on a fait déjà pas mal de mauvaises choses. Vous imaginez quand on dit quelqu'un qui est infirmier en Afrique. Donc, c'est que des fois, on voit des infirmiers comme des monstres. Parce que souvent, ils ne font pas des bonnes choses, ils font des mauvaises choses. Genre, des fois, ils enlèvent des grossesses. Vous imaginez? Un enfant qui n'est pas encore né, donc il vient de commencer sa vie, toi, tu le tues. Malheureusement, on était dans ces vies-là. Et quand je vois Jem, dans son âge, il connaît déjà Dieu. Quelle grâce! Parce que quand nous sommes petits, même le diable vient pour détruire notre vie. Des mauvaises films, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Et comme notre Seigneur a donné, quand il était en train de modérer, il a dit, il y a certaines choses qu'on a fait dans notre passé, ça nous attrape même. Vous savez combien de fois, tu es en train de prier, mais tu as fait tellement de mauvaises choses, et le Saint-Esprit, des fois, il commence à te rappeler. Regarde ce que tu faisais. Alléluia. C'est vraiment une grâce de connaître Dieu dans votre âge. Je n'ai pas eu cette opportunité. Mais comme vous avez cette opportunité, restez vraiment accrochés à Dieu. Dehors, il n'y a rien de bien. Sans Jésus, il n'y a rien de bien. Des fois, ça me fait mal quand je regarde des choses. Et il y a certaines amis, même quand on commence à parler, ils commencent à te rappeler des choses que vous avez faites. Il y a avec tes histoires. Mais c'est notre passé.
Vous imaginez? Des fois, tu dis non, cette année, je dois sortir avec 5, 6 filles. Des fois, on disait ça quand on était jeune. Mais aujourd'hui, c'est la honte de parler de ça. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. On vient de lire 4 portions de la Bible du prophète Jérémie. Des fois, j'ai l'habitude, avant de parler de thème, j'aime bien des fois donner l'histoire de cette personne qui a écrit. Parmi les prophètes qui ont écrit la Bible, parmi les prophètes qui ont écrit les Bibles sacrées, Jérémie, des fois, des théologiens, des gens qui ont fait la théologie, ils les considèrent comme un des prophètes qui a beaucoup pléré. Il y a des épreuves de la Bible. C'est le seul qui écrit les livres des Lamentations. Donc, il a beaucoup lamenté sa vie. Pourquoi il lamentait? Parce que c'est quelqu'un qui était à utiliser dans un moment de chaos. Quand Israël, ils étaient dans un mauvais sens. Quand Israël, ils prenaient des mauvais chemins. Quand Israël, ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et Dieu a suscité cette prophète. Tellement jeune, Dieu l'appelait. Dieu l'a dit, quand Dieu l'appelait Jérémie, Jérémie, c'est comme quelqu'un qui était en train de bouder. Il a dit, Dieu, je suis encore un enfant. Mais Dieu l'a dit, non, tu diras ce que moi je te dirai de dire. Quelque part, Dieu est en train de promettre à Jérémie, c'est moi-même que je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Pour dire ce que moi je veux que tu dises. Jérémie, il avait des rêves. Jérémie, il avait des projets. Mais dans les projets que Jérémie avait, Dieu avait un autre projet pour Jérémie. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu, il a un projet pour toi. Oh, on dirait la pas la foi. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu, il a un projet pour toi. À vie, ta vie, quand il y a la foi, ta vie, ça sonne même bien. Alléluia. Il avait un projet, mais dans son projet, Dieu avait encore un autre projet. Des fois, on se pose la question, où était l'homme avant son naissance? Avant que tu sois né, tu étais où? Alléluia. Avant que tu viennes dans ce monde, on était où? Et quand on était là où on était, qu'est-ce qui s'est passé ici en bas? Et qu'est-ce que Dieu y pensait? Parce que j'aime bien de dire, la personne qui a fait cette ampoule, il l'a fait avec un seul but, pour éclairer. La personne qui a fait la chaise avec une seule but, pour s'asseoir. C'est pas un escalier, donc tu veux escalader pour prendre un escalier. Vous comprenez? C'est que Dieu aussi, quand il nous a fait avec un but. Mais des fois, on cherche beaucoup de choses sans savoir pourquoi Dieu m'a créé. Alléluia. Est-ce que des fois on pose cette question? Pourquoi je suis là? Et je vais vous poser encore une autre question. Quelle est la chose ou bien la cause qui a fait que tu quittes ta maison de venir ici? Pourquoi aujourd'hui, dimanche, malgré les journées de fatigue de toute la semaine que tu as travaillé, tu es encore là? Alléluia. Parce qu'il y a certaines gens qui font des certaines choses, comme on dit dans l'ingana, dans le yengekak, nake, nake, tokendeka. Alléluia. Mais il y a certaines gens, quand ils font une chose, ils font avec un but. Ici, Jérémie a dit, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, dis à mon peuple, je connais des projets que j'ai formés pour eux. C'est des projets de bonheur, non de malheur. Mais si tu retournes dans les premiers versets de 29, tu vas comprendre où cet peuple était. Le peuple que Dieu il est en train de promettre que je connais des projets que j'ai faits pour vous, ils étaient en captivité. Alléluia. Dis à ton frère, ils étaient en captivité. Un peuple qui est dans la captivité, Dieu a dit, fais cette lettre, envoie à mon peuple et dis-le que je connais des projets que j'ai formés pour eux. Dans les versets 5 et 6, il commence à dire même, bâtissez. Dieu est en train de dire à son peuple de bâtir dans l'esclavage. Il a dit, prenez des femmes, des hommes, mariez-vous et faisiez des enfants. Dans l'esclavage, Dieu est en train de demander à son peuple de se multiplier. Mais dans le verset 11, il a dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Pour donner le thème de notre message aujourd'hui, cherchez Dieu de tout ton cœur. Alléluia.
Cherchez Dieu de tout ton cœur. Dis à ton frère encore, cherchez Dieu de tout ton cœur. Ah, ne t'as en foi, tes frères Christian. Cherchez Dieu de tout ton cœur. Donc, j'aime bien des fois chercher des. Quand je trouve que les mots, parce que là, on a tellement de versions de la Bible. Et des fois, quand je trouve qu'il y a beaucoup de mots, des fois, je cherche à la originale qu'est-ce qu'il voulait dire. D'abord, je voulais commencer dans la création. Dans la création, Dieu, il a dit, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé. Ils n'ont pas dit qu'au commencement, Dieu a formé. Et si Jérémie dit, il est en train de dire que Dieu, il a dit qu'il connaît les pensées. Donc, il a des pensées qu'il a formées pour vous. Donc, on va voir, il y a mot penser, il y a mot former, il y a mot créer. Créer, c'est un peu différent. Pourquoi créer? Créer, c'est de rien. Tu fais quelque chose de rien. C'est pour cela qu'un homme ne peut pas créer. C'est difficile que l'homme dise que c'est moi qui ai créé ça. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que tu vas utiliser, ça existe déjà. Alléluia. Mais Dieu, c'est Dieu qui a tout créé. C'est pour ça qu'on appelle des créateurs. On peut dire non, c'est lui qui a commencé ça, mais il s'est basé à quelque chose. Alléluia. Donc, c'est que le verbe créer et verbe former en hébreu, c'est deux choses différentes. Créer, on appelle ça bara. Alléluia. Donc, la moi hébreu, l'élo. Alléluia. On va prendre un peu d'hébreu. Créer en hébreu, c'est bara. Donc, c'est qu'au commencement, si on l'est en hébreu, et ils disent quoi? Bereshit bara Elohim. Frenez comment le hébreu, l'élo. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu a créé. Bereshit, ça signifie au commencement. Donc, Genèse en hébreu, c'est Bereshit. Mais le verbe formé en hébreu, c'est hasard. Hasard. Alléluia. Pourquoi? Donc, c'est que hasard et bara, c'est deux choses différentes. Mais, fois que tu vas lire dans la Bible, Dieu a formé. Faut avoir une chose dans ta tête, c'est quelqu'un qui est en train de manipuler avec ses mains. Parce que l'homme et la femme étaient créés les mêmes jours, mais pas formés les mêmes jours. Alléluia. Alléluia. Mais le mot penser en hébreu, il est un peu compliqué, mais on va le lire. Ça signifie Masha Shaba. C'est pour cela, quand tu vas prendre ces versets-là, tu vas écouter, il y a certains gens qui disent que au commencement, non. Il a dit que je connais des pensées, ou bien je connais des idées, ou bien je connais des projets. Donc, c'est que idée, pensée, tout ça, ça signifie la même chose en hébreu. Ça signifie Machachaba. Alléluia. Donc, c'est que Dieu est en train de rappeler à son peuple, même si vous êtes en train de passer des moments difficiles, moi, Dieu, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Aujourd'hui, des fois, je vois des gens qui se sentent humiliés parce que ça les manque de papiers. Aujourd'hui, des fois, je vois des gens qui se sentent humiliés parce que ça les manque un mariage. Je vais te rappeler, ne te laisse pas abattre à cause du mariage. Ne te laisse pas abattre à cause des papiers. Parce que Dieu, il a un projet pour toi. Des fois, c'est difficile de savoir les projets de Dieu. Comme lui-même l'a dit dans le livre Esaïe, mes voix, ils ne sont pas vos voix. Comme le ciel est avec la terre, mes voix aussi sont comme ça. C'est que les voix de Dieu sont tellement élevées et les voix des hommes sont tellement basses. On va imaginer, en lisant ce verset, on va prendre un homme comme Moïse. Moïse, ce n'est pas lui qui a choisi vraiment d'aller libérer le peuple d'Israël. Ce n'était pas lui. Jamais c'était son idée, je vais les libérer. Parce que déjà il avait peur de retourner en Égypte. Mais après 40 ans, Dieu l'appelle. Et après 40 ans, vous savez quoi? Il faisait toujours la même chose. Hier, j'étais en train de regarder la télé. J'ai dit non, Dieu vraiment, il est mystérieux. J'ai vu un homme de 78 ans. Après beaucoup de batailles pour être président, il n'a pas réussi. Mais à 78 ans, il devient président. Et c'est là où ça confirme. Quand Dieu dit oui, l'homme ne peut pas dire non. Amen, 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 amen. Alléluia.
Oh, imaginons-nous alors des fois, je vois des jeunes de 25 qui n'ont plus d'espoir. Alléluia. Et ça me fait vraiment mal. Des fois, déjà, ils disent, ah, n'a qu'un des cas liba lango. Parce que HP est qui? C'est ça le problème. Parce que l'homme et Dieu, ils n'utilisent pas les mêmes montres. Alléluia. Nous, on a l'habitude de regarder les chronos. Mais Dieu ne regarde pas les chronos. Alléluia. Quand tu dis tic-tac, tic-tac, non, Dieu ne regarde pas ça. Parce qu'en français, c'est un clin d'œil. Dieu peut changer des choses. Et quand Dieu il disait ça au prophète, le prophète l'a écrit dans le peuple qui était en captivité, que je connais des projets que j'ai formés pour vous. Comme je disais, quand j'ai pris Moïse, Moïse est parti en Égypte, il a dit tout ce qu'il voulait dire. Après 10 plaies, Moïse a réussi enfin de faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Ils ont commencé à marcher. Quand je lis Psaume 103, dans le verset 7, il y a quelque part, Dieu est en train de dire à Moïse, j'ai montré à Moïse mes voies. Alléluia. Donc c'est que quelque part, quand Dieu a appelé Moïse, c'était lui-même Dieu qui montrait Moïse où aller, dans quel endroit, quel chemin. Alléluia. Parce que c'était lui-même Dieu qui dirigeait Moïse. Maintenant, on va imaginer Moïse devant la mer Rouge. Alléluia. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu peut se tromper? Est-ce que Dieu peut se tromper, Église? Mais Israël, ils arrivent au bord de la mer Rouge. Hein, frère Christian? Est-ce que Moïse peut demander à Dieu, mais quel est le chemin que tu es en train de me conduire, Dieu? Parce que la Bible nous confirme qu'il y avait une colonne de feu, il y avait une colonne de nuée. Mais ce jour-là, les colonnes de feu et la colonne de nuée, il a mené le peuple devant la mer Rouge. Moïse l'a regardé, mais il est où le chemin? Je vais passer où? Et comme ça arrive suivant, jusqu'à aujourd'hui, ça arrive toujours la même chose. Quand on voit des choses, ça commence à compliquer. La première chose qu'on fait, on ne prie pas. On commence à murmurer. Alléluia. Alléluia. Quand on voit les choses, ça commence à compliquer. La première chose que nous tous on fait, ce n'est pas de prier, c'est de murmurer. Et vous savez quoi? L'autre jour, j'étais en train de réfléchir. Jésus a dit à Pierre, il a dit, Pierre, priez pour ne pas tomber dans quoi? À la tentation. Vous comprenez ça? Écoute le schéma. Jésus l'a dit, Pierre, hein, frère Yannon, il a dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et qu'est-ce que nous on fait? On prie quand on est où? À la tentation. Alléluia. Est-ce que l'Église elle a compris ça? Alléluia. Nous on prie quand nous sommes dans la tentation. Suivant, quand tu vas à l'église, nous sommes un frère, quand tu vois quelqu'un là en train de prier fort là, attention, hein? C'est qu'il y a quelque chose qui coince. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher la vérité? Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher la vérité? Acclamons pour la gloire de Jésus. Quand tu vois quelqu'un en train de prier des fois, c'est parce qu'il est en train de traverser les vallées. Et quand il passe dans les vallées, il commence à prier. Or, selon le schéma, priez d'abord pour ne pas tomber dans ces vallées-là. Même quand tu veux prendre une décision dans ta vie, ma maman, priez d'abord. Quand tu veux faire quelque chose, prie d'abord. Dieu l'a dit, dis à mon peuple que je connais les chemins que j'ai formés pour eux. Mais Moïse, il arrive au bord de la mer Rouge. Il a dit, je vais passer où? Mais depuis que Dieu a décidé de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu il savait qu'il y avait un schéma. Si tu regardes le map, tu vas voir, il y a un schéma court d'Égypte à Israël. Il y a un chemin très court pour faire sortir des enfants d'Israël, d'Égypte pour entrer à Israël. Mais Dieu les a menés dans un chemin qu'ils a pris 40 ans. Je ne sais pas combien des années tu es dans ce chemin-là. Je ne sais pas combien de temps ça dure ton problème. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire que c'est aujourd'hui que ça va finir. Je ne vais pas pour te dire que non, aujourd'hui tout ça va changer. Mais je vais pour te dire, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Mais Dieu, il a un projet pour toi. Parce que des fois, nous sommes abattus. Et les choses qui me font mal,
suivant en plair à cause des désirs charnels. Des fois, les choses qui nous amènent à pécher contre Dieu, c'est des plaisirs charnels. Des fois, les choses qui nous font pour murmurer quand ça ne marche pas, c'est des désirs charnels. Mais ce qu'on oublie, comme Dieu l'a dit depuis le commencement, de la poussière à la poussière. Donc, c'est que tout ce qui est lié avec ce corps, c'est la poussière. C'est pour ça que l'Apocalypse me dit quoi? La terre, il sera enroulée comme un tapis. Donc, tout ce qu'il y a dans cette terre, ça sera enroulé. Alors, c'est pour ça que j'ai dit au début, que le but que tu es là. Parce que Dieu l'a dit, vous me chercherez de tout votre cœur, et moi, je vais me faire apparaître à vous. C'est qu'il y a de certaines choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est parce qu'on ne cherche pas Dieu dans tout notre cœur. Je vais le confirmer. Parce que ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de l'homme, c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. C'est qui Moïse? C'est Moïse qui disait que non, je vais décider Dieu, comme il y a la mer rouge ici, moi je vais décider, je vais aller dans un autre chemin. Le peuple d'Israël voulait tous mourir. Alléluia. C'est Moïse qui disait que non, le chemin là que les colons de Philippe nous amenaient, c'est vers les mers rouges, je vais aller dans un autre chemin. Il voulait mourir. C'est pour cela aujourd'hui qu'on dit, mais comment Dieu l'a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, mais ça, ceci, cela, ça ne marche pas. Alors, je vais te répondre aujourd'hui. Fouille d'abord dans ta vie. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Parce que moi, je sais que Dieu ne peut pas mentir. Et je sais que Dieu ne peut pas se contredire, frère Babi. Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui, demain dire une autre chose. Mais pourquoi c'est que Dieu l'a dit pour toi, tu ne vois pas jusqu'aujourd'hui? Il y a deux choses. Soit ce n'est pas le moment, soit toi, tu n'es pas dans l'endroit où tu devais être. Alléluia. Soit ce n'est pas le moment, soit toi, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que maintes fois que le peuple de Dieu il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, il y avait toujours la même chose. Captivité. Boloko. Tu vas aller en tôle. Parce que là, pour l'instant, le peuple d'Israël, ils sont où? En captivité. Pourquoi Dieu a pris le peuple? Ils amènent en captivité. Parce qu'ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais Dieu, il vient encore pour dire, je vais renouveler encore ma promesse. J'ai des projets pour vous. Mais les seules choses que je vais vous demander, c'est de me chercher de tout votre cœur. Parce que quand je marche avec Dieu, ou bien je vais expliquer ça, quand Jésus est là, les choses, des fois, il devient facile. Alléluia. Quand Jésus est là, les choses, il devient facile. Parce que quand il a montré les disciples comment prier, il n'a pas dit que ma volonté soit faite. Il n'a pas dit ça. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Il ne faut pas changer la prière. Il a dit que la volonté, demandez toujours la volonté de Dieu. Il a dit quoi? Que ton royaume fasse quoi? Vienne. Donc c'est qu'un enfant de Dieu, il doit vivre déjà comme un enfant des royaumes ici sur la terre. Il y a de certaines choses que Dieu te demande parce que tu es sa fille ou bien son fils. Dieu il nous demande à être parfait. Alléluia. Dieu il nous demande d'être parfait. Prenons le livre d'Éphésiens. Premier chapitre, les versets 3 à 4. Éphésiens. Éphésiens verset, chapitre 1, versets 3 à 4. Nous y sommes. Éphésiens. Je lis la parole. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Deux secondes. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. La bénédiction des gens, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Alléluia. Dieu, il t'a déjà béni. Continue avec toi, papa. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans faute devant lui. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Dieu, quand nous a choisis, il nous a choisis en Christ. Moïse, il suivait un chemin que les colonnes de Noé ou bien les colonnes de feu, il les montrait. Mais aujourd'hui, on a un seul chemin. Alléluia. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin. Donc, c'est que la bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Et quand il nous dit qu'il nous a bénis, il nous a élus avant la fondation du monde. Tu n'étais pas encore né, Dieu, il t'a déjà choisi. Et il a déclaré de bonnes choses pour toi. Mais écoute ce qu'il a dit à la fin. Il a dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Alléluia. Dis à ton frère, pour être saint et sans défaut. On comprend ça? C'est que quand on prêche la parole, le but de la parole c'est quoi? Ce n'est pas pour que tu sois béni. Alléluia. Alléluia. Le but d'abord, le premier but de la parole. Et ça peut être mon ami tout côté. Ce n'est pas pour avoir des grosses voitures là. Le premier but de la parole, ce n'est pas pour avoir les papiers. Alléluia. Le premier but de la parole, ce n'est pas pour avoir le mariage. Ce n'est pas le premier but de la parole. C'est pour ça qu'il dit, cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume. C'est que Dieu nous appelle pour être saints et sans défaut. Papa, si tu prends l'Ancien Testament, il n'y a aucun jour Dieu a accepté une offrande avec des défauts. Alléluia. Jamais Dieu a accepté une offrande avec des défauts. Et jamais un serviteur de Dieu ou bien un sacrificateur, il a osé de s'approcher de Dieu avec des défauts. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, je vous ai élu pour être saint. Et quand on prêche la parole, c'est ça. Nous sommes là en fait d'amener le peuple dans la sanctification. Nous sommes là pour prêcher la parole afin que les gens soient dans la consécration. Parce que quand on consacre quelque chose pour Dieu, c'est fini. Ça sera que pour Dieu. C'est pour ça des fois j'ai dit, je sais que ça sera un peu choquant. Alléluia. Amen. Mais que Dieu nous aide. À la prochaine fois, on va faire le maximum dans cette église. Que les chaises qui seront pour l'église, que ça soit seulement pour l'église. Les chaises qu'on va donner ailleurs au cas où on a un problème, que ça soit aussi des chaises déterminées que pour ça. Parce que quand on consacre quelque chose pour Dieu, soit qu'on touche, si tu touches à ça, Dieu va se fâcher. Il y avait un roi. Dans ce moment-là de Jérémie, Nabuchodonosor, il est parti, il a pris les enfants d'Israël. Vous savez qu'est-ce qu'il a pris? Il a touché même au sanctuaire de Dieu. Il a pris des vers de Dieu. Un jour, lui, il était mort. Son fils, il est devenu roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité des gens. Venez, on va manger. Venez, on va boire. Venez, on va faire la fête. Et il a osé de toucher des gobelets de Dieu. Il buvait du vin avec, il faisait la fête avec. Et quand il a commencé à faire ça, Dieu lui-même, il n'a pas envoyé un prophète, mais lui-même, il est venu dans le mur où le roi il était assis. Il écrit, Mene, Mene, Tekel, Persi. Alléluia. Il n'a pas envoyé un prophète parce qu'ils ont touché que les gobelets. Dieu il s'est fâché. Le roi il était inquiet, il a dit, c'est quoi ça? La Bible dit que le roi il a commencé à trembler. Si vous avez du temps, lisez ça dans le livre de Daniel 5. Si vous avez du temps à la maison, lisez ça. Le roi a commencé à trembler.
Il a dit, les mages venaient, les mages, ils ont venu. Ils ont dit, est-ce que vous arrivez à lire ça? Ils ont dit, non, ça n'arrive pas. Alléluia. Non, Dieu va écrire quelque chose de la vie de quelqu'un, mais la seule personne qui va l'interpréter, c'est toi. Ah, aux administrés. Dieu va écrire quelque chose de la vie de quelqu'un, mais la seule personne qui va donner l'interprétation, c'est toi. Parce que ça sera le moment de ton élévation. Et ça sera les gens qui sont en train de t'opprimer. Ça sera les gens qui sont en train de te négliger. Parce que Nzamba tombe pour la libération de Bango. Et quand ils ont fait ça, sa mère l'a dit, écoute, dans l'époque de ton père, il y avait un homme sage. Écoute ce qu'ils ont dit à Daniel. Ils ont dit, Daniel, nous on croit vraiment Daniel, c'est lui l'incarnation de la sagesse. Parce que ce n'est pas possible. Il révélait des choses compliquées. Ah, l'Esprit de Dieu, quand il est dans la vie de quelqu'un, il commence à expliquer des choses qui sont compliquées. Il commence à dire des choses des fois qui sont compliquées. Que Dieu t'amène dans une autre dimension. Que cette année, Dieu t'amène dans une dimension supérieure. Parce que la Bible dit, il y a différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On doit avoir une différence même dans notre façon de parler. Et quand ils ont appelé Daniel, humblement Daniel est venu. Ils ont dit, Daniel, si tu interprètes ce qui est écrit ici, tu seras quelqu'un qui sera troisième personne dans ce royaume. David a dit, écoute, je n'ai pas besoin de votre argent. Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, lisez ça. Il a dit, roi, ceux qui n'attendent ma cambose, je lis ça. Tu peux me faire mal. Il a dit, lis. Il a dit, mène, quelle personne signifie quoi? Dieu, il t'a trouvé, il t'a baisé. Après, il t'a détruit. Pourquoi Dieu a tout fait ça? Parce qu'il a osé de toucher des choses qui sont sacrées. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ceux qui, quand ils ont touché seulement un gobelet, Dieu s'est fâché. Et qu'est-ce que nous on fait avec notre corps? C'est pour cela qu'il dit à prophète Esaïe, ce peuple-là, il m'adore avec leur bouche, mais leur cœur, il est loin de moi. Et quand on parle de cœur ici, on ne parle pas de ce cœur-là. Dieu l'a dit que ces gens-là, ils me louent avec leur bouche, mais leur âme, il est attaché à ce monde. Combien de fois, on vient pour adorer Dieu, mais on vient avec notre problème. Combien de fois on vient pour adorer Dieu, mais on est encore attaché à quelque chose à la maison. Et Dieu n'aime pas ça. Et j'ai ses vies. Dieu a des projets pour toi pour cette année. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus a dit à ses disciples à traverser, aller de l'autre côté, Jésus, comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il savait que où il est en train de dire aux disciples d'aller, il y avait du vent. Alléluia. Il savait que non, à cette heure-là, il y aura du vent très fort. Mais il a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Et quand ils ont commencé à aller de l'autre côté, la Bible nous a confirmé qu'il y avait une tempête. Et quand il y avait une tempête, les disciples ont commencé à crier parce qu'ils avaient pris la choix. Et qu'est-ce qui se passait? D'un coup, ils ont vu Jésus. Il marchait au-dessus des eaux. Alléluia. Jésus marchait. Et il y avait une coutume. Il y avait des histoires à cette époque. Quand il y a une tempête, si vous voyez un monstre, ça signifie que vous allez mourir. Les disciples ont commencé encore à crier. Monstre, monstre, monstre. Alléluia. Mais Jésus les a dit, c'est moi. Dans les tempêtes que tu es en train de passer, Jésus est en train de te dire, je suis là. Alléluia. Jésus est en train de te dire, pour ce que tu es en train de passer, je suis là. Alors qu'est-ce que toi tu veux? Parce qu'ils étaient 12. Alléluia. Ils étaient 12 dans le bateau. Qu'est-ce que les 11 ils ont fait? Ils ont continué à crier. Monstre, monstre. Ils tremblaient, monstre, monstre. Et qu'est-ce que Pierre il a fait? Il a dit, si c'est vraiment toi mon maître, appelle-moi que je viens aussi. Ah, osuite. C'est qu'il y a des certains moments difficiles, tu dis éternel, si c'est vraiment ta volonté, que ta volonté soit faite. Et quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie? Jésus était là, dit, d'accord, comme c'est ça ton désir, viens. Alléluia. S'il y a des gens qui ont marché au-dessus des eaux, il y en a deux. Alléluia. Alléluia. Il y a Jésus, il y a Pierre aussi.
Et Jacques dit non, il a commencé à vendre Kodinda. Attends, Molaki. Aux anges jaloux, il a marché. Les gens vont dire que non, les choses étaient compliquées. Mais j'ai touché la gloire de Dieu. Il y a des certains moments, des fois quand je prie, je dis à Dieu, qu'un ange m'accompagne. Mais des jours, quand je fâche, je dis, Dieu, je n'ai pas besoin d'un ange, j'ai besoin de toi. Alléluia. Des fois, on a besoin qu'un ange nous accompagne. Ah, mais non, il y a mon société. Parce qu'il s'appelle Jehovah Shammah. Il est présent. Alléluia. Il est présent. Cette année, il y a des gens qui ont dit qu'on passait bien, venir nous prêcher. Il a dit, ils ont dit que ça serait une année difficile. Oui, peu importe. Peu importe si ça sera difficile ou pas difficile. Mais une chose, je sais, moi je m'accroche à Dieu. Moi je m'accroche à l'Éternel. Même si à la mer rouge, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'il y a un chemin où je vais passer. Même si les bateaux commencent à bouger, je n'ai pas peur. Je sais que je vais marcher au-dessus des eaux. Mais il a dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Abandonnez la futilité. Abandonne toutes les choses. J'ai déjà dit ça. Trouve les choses qui t'éloignent de Dieu et tue-les. Parce que sinon, c'est ça qui va t'amener en enfer. Il y a de certaines décisions à prendre de la vie. De dire non, cette année, je vais lire la Bible en entier. Tu peux le faire. C'est des décisions qu'on doit prendre. Non, cette année, je vais servir Dieu comme je n'ai jamais servi. Comme ça, arrête de dire non, lui là, sur mon WhatsApp, je vais le bloquer. Bah, tu bloques qu'il y a des gens, toi. Tu fais qu'il bloque des gens. Et lui, non, je vais le supprimer. Bah! Il y a des certains ennemis qui sont amis à tes côtés. C'est pour montrer la grandeur de Dieu. Et ça, c'est des plans de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas hasard. Mon ami, ce n'est pas hasard que nous sommes des amis. Imagine-toi quelqu'un qui habitait au Cameroun. Moi, j'habitais en Angola, je n'ai jamais vu. On vient ici en Europe, on se croise. Et toi, tu dis que c'est un hasard. Maman, vous connaissez que ce n'est pas un hasard. J'étais loin à Toulon. Il y a du soleil là-bas, il fait beau en plus. Là-bas, il fait beau. Il ne pleut pas tout le temps comme ici. Mais Dieu l'a dit, mon petit, quitte Toulon, va en Bretagne pour connaître papa et maman. Alléluia. Amen. Parce qu'il a un plan pour toi, maman, ok. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Je ne vais pas connaître qu'est-ce qui ne marche pas. Mais il y a quelqu'un qui peut faire tout marcher. Accroche-toi à Jésus. Et lui, il fera des grandes choses pour ta vie. Acclamons pour la gloire de Jésus. Lèvons-nous. Se soumettre de la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Même Jésus, en Gethsemane, il a dit, Père, est-ce que c'est possible qu'il t'ait loin de moi cette coupe? Imagine-toi. Même Jésus l'a dit, Père, est-ce que c'est possible? Se soumettre à la volonté de Dieu, ça ne sera jamais facile. Mais soumets-toi à la volonté de Dieu. Parce que Jésus a pleuré en Gethsemane. Jésus a souffert à la croix. Mais ma Bible me dit, il a donné le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tous.